Il fait très chaud aujourd'hui, Philippe. Oui, c'est une vraie canicule. J'ai tellement chaud. Moi aussi. Allons au lac pour nous baigner. Bonne idée. Ça va nous rafraîchir. Tu penses qu'il y a beaucoup de monde au lac? Peut-être. Avec cette chaleur, tout le monde veut se rafraîchir. Regarde Philippe. On peut plonger d'ici. Ça va être amusant. Oui, allons-y. Prêt ? À trois, on plonge. 1, 2, 3. Où est l'eau ? Le lac est vide. Oh non, l'eau s'est évaporée à cause de la chaleur. On aurait dû vérifier avant de plonger. Quelle catastrophe! On doit dire aux autres de ne pas venir ici. Oui, c'est dangereux. Allons chercher de l'eau à boire. D'accord, partons d'ici. Nos vêtements sont sales. J'ai une bouteille d'eau, je vais nettoyer ma chemise. Non Philippe, ne fais pas ça. Cette eau est pour boire, ne la gaspille pas. Ça va aller. Oh non, et maintenant, j'ai très soif. Désolé, Alex. Mais regarde, il y a un robinet là-bas. Allons boire de l'eau. J'espère qu'il y a de l'eau. Moi aussi. J'ai vraiment soif maintenant. Il n'y a pas d'eau. Que va-t-on faire maintenant? Je suis vraiment désolé, Alex. Je n'aurais pas dû utiliser toute l'eau. Oui, c'était une erreur. Maintenant, on n'a plus rien à boire. Attends, j'ai une idée. Allons à l'école, il y a un refroidisseur d'eau là-bas. On pourra boire de l'eau. D'accord. Allons-y vite, j'ai vraiment soif. Ne t'inquiète pas, Alex. On trouvera de l'eau à l'école. J'espère que tu as raison. Il fait tellement chaud. Oui, on ne peut pas rester sans eau par cette chaleur. Allons-y. D'accord, dépêchons-nous. J'ai besoin de boire. Je promets de ne plus gaspiller l'eau. C'était une grosse erreur. Oui, c'était une leçon importante. Maintenant, allons à l'école. Enfin, on est à l'école. Allons boire de l'eau.
Oui, je meurs de soif. Amélie, arrête. Tu gaspilles de l'eau. Mais, il fait chaud aujourd'hui, Alex. Tu vas aimer, ne t'inquiète pas. Non, Amélie. C'est du gaspillage. L'eau est précieuse. Oui, Amélie, écoute-le. C'est juste un peu d'eau, Alex. Un peu ici, un peu là. Bientôt, il n'y en aura plus. Tu es trop sérieuse, Alex. Profite-en un peu. Amélie, c'est important. Imagine si on n'avait plus d'eau du tout. Oh non, ma bouteille est vide. Tu vois, maintenant, tu n'as plus d'eau pour boire. C'est vrai, Amélie. On doit faire attention. Oui, on ne doit pas gaspiller l'eau. Oui, l'eau est vraiment précieuse. D'accord, Alex. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. On apprend tous les jours de nos erreurs. Allons-y. Alex, j'ai soif. Ma gourde est vide. Amélie, tu as renversé toute ton eau. Si tu ne l'avais pas fait, on aurait de l'eau maintenant. Je sais, Alex. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. C'est pour cela qu'on doit économiser l'eau. Elle est précieuse, surtout par cette chaleur. Oui, tu as raison. Amélie, tu vas bien? Tu as l'air pâle. Alex, je me sens faible. Amélie, réveille-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Aidez-moi. Ma sœur s'est évanouie. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, aidez-moi. Ma sœur s'est évanouie. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Attends ici, je vais chercher de l'eau. Merci beaucoup. Essaie de boire un peu d'eau, ma petite. Allez, Amélie, bois un peu d'eau. Ça va mieux, ma petite? Oui, merci beaucoup, madame. Tu vois, Amélie, c'est important de ne pas gaspiller l'eau. Oui, tu as raison, Alex. Je suis désolée. Vous avez appris une leçon importante aujourd'hui. L'eau est précieuse. Oui. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Mais de rien. Vous savez, à mon époque, on économisait chaque goutte d'eau. Je ne gaspillerai plus jamais d'eau. C'est promis. Ensemble, on va économiser l'eau et protéger notre planète.
peut-être que vous deviendriez les prochains capitaines conservation et capitaines sensibles. Oui, capitaine conservation à la rescousse. Et capitaine sensible aussi. The chairs are on the table. The floor has been swept. Closing time and I'm a little tired. It's a long time since I've slept.